Très bien. Aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la même pièce tricot, mais comme au tout début, je suis assise à même le sol parce que j'ai bloqué enfin l'écharpe que je dois offrir à mon amie. Elle, l'écharpe est tellement grande qu'elle a pris toute la pièce et impossible pour moi de me mettre sur une chaise. Donc, je suis assise sur mon pouf. Donc, si vous entendez des petits bruits. Désolée, ça sera le pouf qui fera du bruit. Et donc voilà, on se retrouve après un mois depuis ma dernière vidéo. Et je suis très contente parce que pour une fois, j'ai respecté mon engagement. Lors de la dernière vidéo, je vous avais expliqué que l'envie de vouloir être un peu plus régulière ici. Commencer à bien se faire sentir et que j'hésitais entre venir toutes les 3 semaines ou une fois dans le mois. Là, ça fait un mois, donc l'engagement est en train d'être honoré. On se retrouve également aujourd'hui, certes dans un autre décor de la pièce, mais aussi avec une nouvelle coupe de cheveux parce que j'ai pris la décision de me couper les cheveux. Pourquoi? Tout d'abord, ça fait un an que j'avais plus les cheveux crépus. Et parce que je voulais avoir une coupe pixie qui implique le défrisage et qui dit défrisage dit produit capillaire. N'importe quoi. Qui dit défrisage dit produit chimique. Et donc je l'ai fait en âme et conscience parce que j'avais envie de faire cette coupe-là et parce que je suis une femme et que j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses et que je suis jamais satisfaite de ce que j'ai, hein, n'est-ce pas? On se comprend. Enfin bref, donc j'ai fait la coupe, mes cheveux ont été très abîmés. Et puis dernièrement, lors de mes dernières tresses, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux complètement arrachés quand j'ai défait les tresses. Alors j'ai pris la décision d'aller dans un salon de coiffure spécial afro à Paris. Je me suis coupé les cheveux. J'ai adoré ce moment-là. C'était la première fois que j'allais dans un salon de coiffure afro. Avec des soins, parce que les autres fois c'est juste des salons afro pour se faire des tresses, mais là c'était vraiment comprendre le cheveu, appliquer, adapter un soin par rapport au type de cheveux, etc. Donc c'était vraiment top et moi j'adore ça. Et mon chéri qui n'aime pas les cheveux courts a admis que cette coupe-là m'allait bien, donc c'est un bon point. Voilà. Et moi, je suis toute contente parce que enfin mes cheveux pourront respirer et je pourrai mettre en place une bonne routine capillaire saine et puis retrouver les cheveux de devant qui se sont arrachés avec des compléments alimentaires. Ça devrait pas être dur. Ça va le faire. Mon but n'est pas d'avoir une pousse extrême non plus, mais que le cheveu prenne le temps de se développer comme il doit se développer sans agression. Voilà. Donc voilà pour cette introduction qui vous intéresse fort bien. On se retrouve pour un 10e épisode podcast Tricot. Moi, je suis Priam. Je tiens le compte Joyori sur Instagram, qui est un compte dédié initialement au tricot, ainsi que cette petite chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de toutes mes péripéties en lien avec le tricot. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, qui est un compte que, au risque de me répéter, que je ne tiens pas du tout. Mon compte Ravelry, je ne le tiens pas du tout. N'empêche que si vous avez des questions par rapport à un projet, je suis tout ouïe pour vous répondre, pour vous aider, etc. Mais je ne suis pas encore adepte de me dire je tricote quelque chose et il faut que j'aille remplir la fiche comme si c'était un devoir. Pour moi, c'est voilà, c'est juste du plaisir le tricot et je fais une fiche que
lorsque je fais un test tricot. Mais pas lorsque je tricote que pour moi. Enfin, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois la chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'objets terminés. Il y en a pas mal. Il y en a un seul que je ne pourrais pas vous montrer. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'écharpe qui est en train de sécher là, même le sol. Et pas mal d'encours. J'ai mis un encours au dodo. Il s'agit de mon gilet mouloc. Pas que j'ai pas envie, mais en ce moment, j'ai envie d'accessoires. Vous verrez au fur et à mesure lorsqu'on sera dans la partie des encours que j'en ai monté encore beaucoup alors que il me restait juste le gilet Moloch et je ne sais pas pourquoi un jour comme ça j'ai eu un pic de castagne et en une journée je me suis retrouvée avec 4 projets quoi voilà. Voilà, ça s'appelle la castagnite aiguë, n'est-ce pas? Dont tous les tricoteurs et tricoteuses souffrent. Donc, enfin, bref, on va rentrer dans le vif du sujet, on va passer aux objets terminés. S'agissant des objets terminés, j'en ai 3-4. Ouais, peut-être. J'ai fait des notes aujourd'hui. Je commence à m'appliquer un peu. Donc, on va commencer par le cumulus Onec que je vous avais présenté la dernière fois. Je crois que j'étais bien avancée au niveau des manches. J'avais fait une, il en restait une. Et bien, il est terminé. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Hop, sans faire tout tomber. Voilà. Je mets ça sur un cintre et je vous parle de ça. Voilà, le pull Cumulus Blues au neck de Petite Knit. Pour rappel, c'était un pull que je tricotais avec des restes de mohair. Donc, vous avez de la kid slick, et de la woolly skin. Dans sa base Cosmo, non, dans sa base Bombix, coloris Cosmo. Voilà. Donc j'ai fait un mélange de tout ça. J'avais beaucoup de Kitsik en rose. Et donc j'ai mélangé les deux fils. J'ai plus de reste pour vous montrer, donc désolé. Et bah, le pull, il se commence comme classiquement, comme le cumulus col V. Simplement que à un moment donné, il vous faut monter un certain nombre de mailles pour rejoindre le col en rond et éviter de faire les augmentations pour avoir le creux du V. Moi, j'ai choisi la taille S. Je vais vous l'essayer, ça sera plus simple parce que j'ai pas eu le temps de faire des photos cette fois-ci. On fera abstraction du petit col mao là. Noir. Je peux pas me lever non plus. Parce qu'aujourd'hui, ma pièce, elle ressemble à une prison. Je vous dis. Donc voilà à peu près ce que le pull donne. Moi, je l'aime beaucoup. Il est tout simple. Il est tout simple comme ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste cette partie-là où vous devez monter les mailles en fonction de votre taille pour rejoindre le col en rond et après vous descendez et c'est des augmentations en raglan. Et après vous descendez le corps en jersey. C'est que du jersey. Et il se tricote en 4,50 et ça monte assez vite. Après, lorsqu'on n'a pas l'habitude de tricoter du mohair, on est un peu déboussolé par rapport à la tension. Mais c'est quelque chose qui se fait sans souci. Voilà. Donc, pour ce premier objet terminé,
Je rentre pas trop dans les détails parce que je crois que lors de la dernière vidéo, je vous avais déjà assez parlé là-dessus. Donc voilà. Mon cumulus blues au nec. Je rigole parce que je reçois des SMS de mon chéri. À chaque fois que je fais une vidéo, que je suis en train de tourner une vidéo, il va me parler au moins 50 fois. Et à ce propos, j'oublie de vous le dire, mais c'est le premier à lire tous vos commentaires. Et il adore ça, lire vos commentaires. Il est toujours en extase en disant, ah, c'est trop bien, c'est trop gentil, c'est trop... Donc, encore une fois, merci, merci, merci pour tous vos commentaires. Donc voilà, c'était le Cumulus Blues version col rond. Ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, je vous l'avais également montré, c'était un ancien projet qui dormait aussi. Il s'agit du pull serin de Kadri, la designeuse américaine. Que j'ai tricoté dans les laines de Catherine, Madeleine et Philibert, le coloris son mohair Terre Inconnue, que je vous avais déjà montré également. C'est un pull avec un col vénétier, mais qui monte. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Et que j'ai mélangé avec de la Knitting for Olive en mérino extra fin. Et je crois que le coloris de la laine de chez Knitting for Olive, si je ne me trompe pas, c'est de la Hot Mill, je crois. Ouais, je pense. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Donc celui-là. Celui-là, je l'ai tricoté avec deux aiguilles différentes, sans m'en rendre compte. Le patron préconise à la base de tricoter en 4, en 4 mm. Et je crois qu'au moment où je l'ai monté, mes aiguilles étaient occupées. Et j'ai pris la décision de tricoter avec des aiguilles 3,75 parce que je me suis dit de toute façon je tricote lâche et puis ça irait, voilà. Donc ce qui fait que de là jusqu'à l'augmentation, je crois à la moitié hein, des raglans, je crois avoir tricoté en 3,75 et puis je l'ai mis en pause très longtemps. Après je suis revenue. J'ai repris l'ouvrage, mes aiguilles 4 étaient libres et je sais pas pourquoi je me suis dit bah tiens comme les aiguilles 4 sont libres bah je vais mettre sur sur cet ouvrage là et je vais continuer à tricoter et c'est ce que j'ai fait et j'ai continué les augmentations et puis j'ai fini avec des aiguilles 3 comme préconise le patron pour le bas pour rabattre les mailles et si je ne me trompe pas on fait pas de côte en bas en fait on rabat elle nous propose une technique je saurais vous dire le nom en anglais vous tricotez la première maille à l'endroit. Vous tricotez la seconde à l'endroit également et vous prenez par le brin arrière les deux mailles et vous tricotez ensemble et faites ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Apparemment, c'est pour éviter que le tricot roule. Mais moi, j'ai bloqué et tout. J'ai quand même l'impression que ça roule. Mais bon, après, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment bien tiré parce que moi, j'ai peur de tirer sur les tricots. Vous allez rigoler un peu parce que pour une fois, j'ai voulu mettre une étiquette. Et je vous ai dit que l'accoutumement, c'était ça faisait deux. Elle est bien bancale, cette étiquette. Mais bon, au moins, je sais où est le devant, où est le dos. Je vais vous l'essayer. Mais je ne pourrai pas me lever. J'en suis vraiment...
suis vraiment désolée pour ça aujourd'hui. Alors, je vous essaie la chose. Donc voilà ce que ça donne. Et pourquoi je vous ai parlé de la différence d'aiguille, c'est que ça se ressent, en fait, ça se ressent ici. Ici, j'ai l'impression d'être coincée et après, là, c'est tout évasé et c'est vraiment horrible, en fait. Mais bon, ça m'apprendra à toujours faire les choses sans réfléchir. Donc voilà comment le pull se présente. Les manches sont assez longues, comme vous pouvez le voir. Et je pense que la manière dont j'ai bloqué les manches font qu'elles sont un petit peu évasées. Je sais pas si vous allez voir là. Oui. Et je crois qu'à la fin, j'en avais un petit peu marre de cet ouvrage-là. Donc je crois que vers la fin, j'ai fait un peu n'importe quoi pour pouvoir finir. Mais bon, le pull, il se porte, il n'y a pas de problème. Sauf si je croise une aguerrie du tricot dans la rue, elle pourra me dire, excusez-moi, vos manches, elles sont un peu... Hein? Elles sont un peu pareilles, pas pareilles. Hein? Voilà, voilà les manches. Donc, mais sinon, c'est parfait. C'est un pull parfait et j'adore le col. Je crois que c'est pour le col que j'ai fait ce... C'est à cause du col que j'ai fait ce pull-là en vrai. Avec un peu de recul, j'ai fait la taille M, qui est ma taille habituelle. Et je pense que j'aurais pu prendre la taille L, ne serait-ce que pour que le col il descende bien là, il me fasse comme un bon col bénitier quoi. Mais bon, on va pas trop se plaindre aujourd'hui, hein. Ça s'appelle l'expérience. On tricote des modèles et puis si la prochaine fois il faut en refaire, on saura comment faire. Ou peut-être que si j'avais commencé avec des aiguilles 4, j'aurais eu le col qui me sied. Donc voilà. Alors on monte le col dans la construction. On commence par faire le col. Ensuite, on s'arrête à un nombre bien défini. On fait quelques grands raccourcis pour creuser, je crois, un peu au niveau du dos. Et après, on attaque tout de suite les raglans. Donc, ça demande un peu plus de concentration, même si c'est que du jersey. Ça demande beaucoup de concentration parce que les grands raccourcis et les augmentations raglans se croisent. Donc, faut être un peu attentif par rapport à ça. C'est juste ça. Sinon, après, tout le reste, c'est nickel. Si ça ne vous dérange pas, je crois que je vais rester dans ce pull-là parce que je commence à me les geler. Hein? Voilà, donc on va rester avec ce pull et tout le long du podcast. Donc voilà pour mon deuxième objet terminé. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que tout à l'heure, je dois aller manger avec Chéri, donc d'où les SMS, voilà. Mais bon, il patientera, hein, voilà. Et voilà. Donc le troisième objet terminé, il s'agit des chaussettes chauve-souris que je fais également pour mon ami, que j'ai terminé. Enfin, les chaussettes, je vous avais expliqué la dernière fois que j'avais dû abréger. Le jacquard parce que j'avais un petit peu la flemme et surtout que j'ai été un peu déroutée par rapport à sa construction du talon en rang raccourci. Donc j'ai pas compris son explication à elle. J'ai pris une explication que j'ai trouvée sur internet, sur YouTube et je me suis servi de ça pour faire les chaussettes. Donc les chaussettes là sont terminées. Je vais vous les montrer. Les voilà. Il y en a deux. Voilà. Les chaussettes sont terminées. Je suis très contente du résultat. Elles lui iront
très bien. J'ai monté 64 mailles, donc la deuxième taille. Et je pense que ce sera de bonnes chaussettes pour rester à la maison. Mais la connaissance, elle est capable de les mettre dans ses, dans ses bottes, sous son costume de banquière, là, pour y aller. Elle adore les chaussettes folklore, je ne sais pas comment elle fait. Mais en tout cas, c'est un modèle de Charlotte Knit. Oui, c'est Charlotte Stone, pardon. Décidément, aujourd'hui, j'ai un problème avec les noms. Charlotte Stone. Stone Knit, je crois, sur Instagram. Elle est très connue, vous ne pouvez pas la louper. Voilà, je suis tombée en amour sur cette chaussette-là. En principe, toutes les chaussouris doivent continuer tout le long de la chaussette. Et moi, j'ai une grosse flemme. Sincèrement, j'ai une grosse flemme. J'avais pas envie. Et puis, je trouve qu'elles sont pas mal comme ça aussi. Elles sont mignonnes. Alors, je les ai tricotées avec. Est-ce qu'il me reste? J'en ai là. J'ai tricoté avec de la Arweta de Phil Colana. Ce coloris-là, c'est le coloris 198. J'en avais deux. Je crois qu'il m'en reste pas mal du orange, mais je sais plus où je les ai, où j'ai mis. Donc voilà. Et j'avais un reste de laine de chez Drops en noir. Et je me rappelle plus du nom du coloris non plus. C'est super aujourd'hui. J'ai pris des notes, mais je me rappelle pas de certaines choses. Voilà. Donc enfin bref. Voilà les chaussettes chauves-souris pour ma copine d'amour. Donc voilà, franchement, avec le recul, ce sont pas des chaussettes compliquées. Elles se tricotent correctement, il y a pas de problème. Il faut juste être attentive au niveau de la grille de jacquard. Mais sinon, tout le reste est parfait. Et si vous savez faire des talons en rang raccourci, bah vous regardez pas ce qu'elle a écrit. Vous allez directement avec votre technique à vous. Et puis, tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai repéré plusieurs patrons de chaussettes à Charlotte Stone. Moi, j'aime beaucoup les aliens, là. Je trouve ça stylé. J'ai envie de les faire, mais je ne sais pas quand. Et mon chéri, il trouve ça stylé aussi, donc si ça se trouve, peut-être qu'on aura les mêmes paires tous les deux. Donc voilà. Ensuite, dans ma castonite aiguë, j'étais la semaine dernière. Je suis allée à Paris pour me couper les cheveux et j'ai profité pour me balader dans Paris. Je suis passée chez Lil Weasel, comme par hasard. Voilà, je suis passée chez elle. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris après chez elle. Et je suis tombée sur. J'ai fait les deux boutiques de chez Lil Weasel. Je suis allée où il y a les écheveaux teints à la main et après où il y a la laine industrielle. Et donc je suis tombée sur un magnifique coloris de mohair de chez Phil Colana que j'ai acheté. Et je me suis lancée dans la Sophie Scholl parce que je me suis dit que ça irait très bien dans ce coloris-là. Le problème, c'est que je suis tombée en panne de laine de Arweta, de Tilia, pardon, de Phil Colana. Et j'ai dû racheter sur internet deux pelotes. Ça m'a fait un peu suer, mais je pouvais pas laisser l'ouvrage comme ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis tombée en panne de laine plus tard. Et j'avais des restes de Camarose et de Guépard laine. Et j'avais à l'idée de tricoter. Au début, je n'avais pas pensé à la Sophie Scholl. Au début, je voulais tricoter une écharpe que j'allais faire moi-même pour l'assistante scolaire qui est dans l'école de mon fils. Parce que depuis le retour du plan Vigipirate, à chaque fois que je vais chercher les gosses à l'école, la pauvre nana, elle est devant la grille parce qu'on n'a plus le droit de rentrer dans l'école.
elle envoie un SMS à ses collègues qui ramènent les enfants. Et elle est toute seule devant la grille, tous les soirs, en train de se peler comme il n'y a pas, en train de tousser comme il n'y a pas. Donc je me suis dit, je vais lui faire une écharpe, je vais faire un truc moi-même vite fait, et puis je vais lui offrir avant les vacances de Noël. Et comme j'étais dans ma folie de Gaston et que j'étais en train de faire la Sophie Scholl, quand je suis tombée en panne de laine pour ma Sophie Scholl à moi, je me suis dit, bah, mais il me reste ça. Ça faisait un moment que ça dormait dans ce sac-là de laine poudrée. Et donc, je me suis dit, bah, le temps que ma commande arrive, je peux monter une autre Sophie, quoi. Et au fait, j'ai monté la Sophie lundi. Voilà. J'ai monté la Sophie lundi. Sophie est finie hier. Voilà. J'ai encore mon progress keeper là. Sophie est finie hier. Donc, c'est mon dernier objet terminé qui n'était pas prévu, mais finalement qui est fini plus vite que mon ombre, j'ai envie de dire. Donc voilà la Sophie Scholl que je vais laver, bloquer et offrir à l'assistante scolaire de l'école de mes enfants. Elle sera toute contente et ça va bien lui réchauffer le cou. Elle va arrêter de tousser, je pense. Donc voilà. Et comment vous dire que j'ai trouvé le moyen de me tromper sur cet ouvrage-là? Mais je pense que j'ai eu un excès de zèle. Vous savez, souvent vous vous dites, c'est bon, je connais, je sais comment faire, et je n'en regarde plus les patrons. Et bien moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais persuadée que parce que Petite Nit nous demande de monter quelques mailles au début. Je ne vous apprends rien pour ceux qui ont déjà tricoté la Sophie Scarf ou la Sophie Shawl. Quelques mailles au début, on tricote 6 rangs. Et au sixième rang, on est censé augmenter. Et moi, j'étais persuadée que l'augmentation, c'était une augmentation intercalaire gauche. Mais pourquoi? Alors que c'était pas ça du tout. C'était juste tricoter deux fois dans la même maille. Et j'ai fait cette erreur-là sur mon Sophie Scholl que j'ai pas terminé. Et je trouvais que c'était bizarre. Que c'était bizarre que ça faisait pas, vous voyez, le trait là, tout propre. Je trouvais que ce côté-là, ça le faisait pas, mais j'étais persuadée que c'était la bonne manière de faire. Alors, je tricotais devant un match de foot, et puis quelque chose, enfin, une petite voix m'a dit, bah, regarde quand même sur ton téléphone pour voir comment se fait l'augmentation. Et là, je relis et je me rends compte qu'on dit augmenter, bah, vous tricotez dans la troisième maille par le brin avant et par le brin arrière. Je me suis dit, oh punaise, bah, c'est pour ça que j'ai pas la bonne tresse sur un côté et que j'ai la bonne tresse sur l'autre côté. Enfin bref, donc je me suis mis dans le rang, voilà, de l'obéissance des patrons. Voilà. Sur, je crois, j'étais au. Ouais, c'est à partir de là. Vous n'allez pas bien voir grand-chose, mais voilà. À partir de là, je suis rentrée dans les rangs. Allez, on respecte tout ce qui est écrit et on réfléchit plus. On ne dit plus qu'on sait faire quoi que ce soit. Et donc, je l'ai terminé hier soir, toujours devant un match de foot. Voilà. Pour ne pas changer. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, voilà mon dernier. Objet terminé que j'ai vraiment vraiment kiffé. Et donc je vous fais un petit enfin ça introduit bien l'encours suivant. C'est que celui-là je l'ai tricoté avec des aiguilles 5. J'ai pris deux brins de Camarose. Il me reste plus grand-chose de toute façon. Il me reste plus que ça. Donc j'avais deux pelotes de ça, la Camarose que je vous ai déjà montré, j'avais fait mon une ride de sleepover avec. Donc j'avais deux brins de ça et un brin pardon de mohair de la laine guépard.
Si jamais les coloris vous intéressent. Pour le mohair, c'est de la guépare laine, kid seta, et le coloris c'est 1007. Ensuite, le marron en mérino, là, c'est de la crème à rose, 100% mérino, super wash, et c'est de la base Yaku 4. C'est pas la première fois que je vous parle de ça, de toute façon. Vous allez voir à l'envers, mais au moins vous, j'espère que vous verrez quelque chose. Voilà. Et donc, celle-là, je vous ai tricoté comme préconise le patron, les aiguilles 5. Et je suis allée au bout, j'ai fait la taille S avec ça. Toutefois, avec l'encours que je vais vous montrer là, de ma Sophie Scholl à moi, j'ai pris des aiguilles 6, j'ai un écheveau de mérino avec deux pelotes de mohair en tibia de fil Colana, sachant que ça fait le même grammage, c'est-à-dire 210 mètres pour 25 grammes. Et je suis tombée en panne du mohair, mais pas de la fingerie. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le choix de l'aiguille? Quand je vous dis la désobéissance des patrons, dorénavant, je respecte l'écriture des patrons. Je ne fais pas à ma sauce. Je reste dans les clous. Voilà. Je ne deviens pas une déviante des patrons. Donc ça s'est bien passé. J'ai pas eu à racheter de laine parce que je me suis dit, si je tombe encore en panne de laine, ça va être une sacrée poisse pour les Sophie Scholl. Donc, ce qui nous amène aux encours, tous mes encours se trouvent dans ce sac-là. Alors, donc, je vous ai présenté une première Sophie Scholl, je vais vous présenter la deuxième. Alors, la deuxième, elle est bleue. Elle est canon. Elle est trop, trop belle. Donc voilà, je la fais en taille SML. Voilà, et là, je suis tombée en panne là, donc on peut pas, pourra pas continuer. Donc elle est toute de bleu veux-tu, ainsi que de mes stoppers de maille Mario Bros, qui rendent les loulous dingues quand ils voient ça. Mais je leur dis non, vous touchez pas, ce sont les Mario de maman, c'est pas à vous. Et donc, chez Lil Weasel, quand je suis allée vendredi dernier, je suis tombée fan de ce coloris-là. Voilà, c'est exactement la bonne couleur. Et j'ai fait un post sur Instagram, vous avez beaucoup aimé également, parce que c'était magnifique. Et j'ai mélangé avec, vous vous souvenez, je vous avais présenté dans la dernière vidéo, c'était un écheveau de Christelle Tricotte que mon amie Marie m'avait offert. À la base, il devait servir pour un autre projet, mais j'ai pas pu, j'ai changé d'avis. Voilà, comme toujours, j'ai changé d'avis. Et donc, je tricote les trois brins ensemble avec des aiguilles 6. Ça donne un effet très aérien. Bien duveteux là, franchement c'est bien léger et c'est tout doux, c'est chaud, c'est parfait. Contrairement à celui-là où j'ai pris deux brins de fingering et un brin de mohair, lui il est plus épais, lui il est plus duveteux et plus aérien. Mais ça va couvrir pareil, ça sera super chaud. Ça m'a permis de tester aussi et de comprendre un peu, un peu mes erreurs et mes manques de laine. Mais je suis sûre et certaine que c'est parce que je tricote en 6 de ce côté-là que je suis tombée en panne de laine. J'aurais tricoté en 5, je pense que j'aurais fini la Sophie Scholl. Et donc voilà, mon zèle ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Où c'est toujours, il y a toujours une maille de décalé.
parce que j'étais persuadée que c'était des augmentations intercalaires gauche, alors que pas du tout. Donc, bah, c'est trop tard, puisque là, j'arrive aux diminutions. Donc, bah, ça sera comme ça, et puis tant pis. Et puis, ouais, j'ai fait une petite publication sur Instagram. Et du coup, j'ai influencé Elodie qui a castonné elle aussi une Sophie. Et je crois que Corinne, la provinciale, m'a envoyé un message, me dit qu'elle aussi, elle est en train de faire une Sophie. Visiblement, c'est le projet idéal en ce moment. Elle aussi, elle faisait une Sophie. Et Marilyn m'a envoyé aussi un message, me dit qu'elle faisait elle aussi une Sophie. C'était trop marrant, en fait. Mais moi, j'ai hâte de voir les Sophies terminées avec les couleurs qu'elles auront utilisées et tout. Ça doit être bien marrant. Donc ça, c'était mon premier en cours. Donc, alors, la semaine dernière, j'ai monté 4 en cours. J'en ai fini un hier. Et bah, il me reste encore 4 parce que je compte toujours le gilet moloch. Mais là, je suis que en mode accessoire. Alors, comme j'avais dans l'idée de me couper les cheveux, je me suis dit que pour une fois, j'allais me faire un bonnet parce que quand il va commencer à faire sévèrement froid, mes oreilles ne vont pas tenir. Donc, pour aller à Paris, il me fallait un projet simple. Donc, j'ai décidé de monter le bonnet classique rib de Pearl Soho. C'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il se tricote en 3,50 et c'est vraiment un bonnet que vous pouvez adapter comme vous le voulez. C'est un bonnet en côte 1-1. Vous faites soit en uni, soit avec plusieurs couleurs, soit avec des rayures. Enfin, c'est un bonnet qui se décline assez facilement. Et moi, j'ai utilisé de la laine qui était dans mon stash. Si je ne me trompe pas, l'étiquette doit être par là. Je l'ai acheté sur le site de Woolissim. Il y a une catégorie sur son site là où c'est marqué laine en promo, je crois. Et je suis tombée, mais il y a très longtemps. Hein, donc je ne sais plus si elle propose cette marque-là. C'est The Five and Co. et c'est la gamme Canopy. C'est de la fingering. Baby Alpaga et Merino. C'est 180 mètres pour 200 grammes. Non, je suis pas sûre. Non, c'est 50 grammes. Ouais, ça me semblait bizarre aussi. C'est 183 mètres pour 50 grammes. Ça se tricote en 2,75 ou en 3,25. Et moi, j'avais deux échevaux et j'ai cumulé les deux échevaux pour avoir un bonnet bien, bien chaud, quoi. Parce que la grande frileuse que je suis a toujours peur d'avoir trop froid. Je préfère avoir trop chaud que trop froid. Donc voilà, j'ai bobiné les deux. Je vous mettrai une photo du coloris tout seul en écheveau. Je ne sais pas si comme ça vous allez le voir. J'ai bobiné les deux et je tricote toujours en 3,75 et je suis à ce niveau-là. Je suis pas. J'ai quand même bien avancé, mais je ne suis pas encore au niveau des diminutions. Parce que le but, c'est de pouvoir replier le bonnet. Et au fait, quand on le replie, il doit avoir la même longueur que ça. Que ça là. Il doit avoir cette longueur-là. Donc pour le moment, je suis nulle part au fait. Il est trop court encore. Donc je me dis, ça va être un. J'ai pas une tête à bonnet. Enfin, c'est ce que je me dis moi. J'ai pas une tête à bonnet. Mais comme on dit, qu'il ne tente rien à rien. Et j'ai pas envie d'avoir froid cet hiver. Donc voilà. Donc ça, c'est mon deuxième en cours. J'ai fait la taille 2. La taille 2 demande de monter 96 mailles. Donc voilà, parce que je le veux quand même un peu loose ce bonnet. Je veux pas trop qu'il me plaque la tête, c'est pas le but. Donc voilà.
Donc ça, c'était le deuxième projet, le deuxième en cours. Ensuite, le dernier, ouais, le dernier, et eh ben, c'est un modèle qui n'existe pas. C'est un modèle à moi que j'ai eu envie de faire comme ça. Parce que ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je traîne sur Pinterest en train de regarder la mode et les inspirations que je peux en tirer. Et donc c'est venu comme ça. J'avais fait un premier échantillon et puis après je me suis dit que pourquoi pas aller sur ce que je vais vous montrer. J'ai toujours du mal à présenter les modèles que je fais moi-même parce que je me trouve pas crédible au fait de vous en parler, mais c'est toujours du tricot. Certes, on respecte des patrons, on suit des patrons, mais si on a une idée, une imagination, c'est toujours bien de la mettre en pratique. Pour le moment, je suis un peu dubitative, donc je vous laisse, je vous montre. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien. Chérie trouve ça bien. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas très objective quand c'est moi qui fais des trucs. Voilà. C'est toujours dans le but d'avoir une grosse écharpe d'hiver. Donc, je l'ai fait avec. Je vous montre la laine d'abord et après, je vous montre le modèle. Donc, les coloris sont comme ceci. Voilà, on est toujours dans des bonnes couleurs bien flashy parce que l'hiver, on a tendance à porter des couleurs sombres. Donc si on peut avoir des accessoires un peu peps qui rehaussent un peu le teint, les yeux, ça serait parfait. Donc c'est une écharpe de reste. Ça, c'est de la Sky de chez Drops. Le coloris. Pardon pour le bruit. Voilà, ça va être plus simple. C'est de la Sky de Drops, le coloris 03. Donc c'est un blanc cassé avec un peu de gris dedans. Et moi je l'avais utilisé pour faire le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque il y a très longtemps. Ensuite, ça c'est de la Alpaca Broche Silk que j'avais depuis longtemps. Ça, je l'ai utilisé pour faire un test de Marie Tricote que j'ai publié récemment sur Instagram. Alors, si ça vous dit d'aller sur Instagram pour voir, vous y allez. Et ça, j'avais fait un pull, la Cumulus Blues col V pour une de mes copines et il me restait ça. Et donc, je me suis dit, comme c'est une écharpe de reste, bah, je prends tous les restes possibles et j'avance avec ça. Et donc, le but, c'est de créer des motifs avec ces deux couleurs-là. Quoique, je sais que j'aurais plus de rose à la fin de l'ouvrage, mais c'est pas dérangeant. Je vais quand même m'adapter. Si j'ai pas de rose, peut-être qu'il y aura une autre couleur. On fouille dans les restes et on voit. Donc, pour le moment. Pour le moment, je suis à cette étape-là. Je suis là. Désolée, il y a plein de fils partout. Donc, je suis ici. J'ai monté un nombre de mailles qui me paraissait cohérent pour une grosse écharpe. Et pourquoi pas faire des fleurs comme j'adore les fleurs. Que j'ai trouvé en m'inspirant sur Pinterest, comme je vous ai dit. Donc, pour le moment, je le fais comme ça avec un point mousse. Toute l'écharpe sera en point mousse et les fleurs bah, sont en jacquard, en jersey avec de la brush slick de chez Drops. Donc pour le moment c'est comme ça, c'est très moelleux, c'est très et je me dis quand ça sera fini, ça sera trop bien quoi d'avoir une écharpe comme ça.
Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant que je vois, je trouve que ça fait un peu joli, mais je pense savoir ce qui me dérange. Je crois que c'est le point mousse, mais j'avais pas envie de faire de jersey en droit. Le point mousse, ça me paraît bien. Après, faut voir l'objet terminé. J'ai pas de nom. Je l'appelle mon écharpe fleurie, je sais pas. J'ai aussi du mal à trouver des noms sur des trucs. Je sais pas écrire de patron, donc me demandez pas si je ferai un patron. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est pas mon but de rédiger des patrons. On verra un jour, peut-être que je commercialiserai mes ouvrages autrement qu'en vendant des patrons. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je m'éclate à faire des petites choses comme ça qui viennent avec mon imagination. Et c'est toute la magie du tricot, comme on dit. Voilà. Donc c'est à peu près. Je ramasse mes encours. C'est à peu près tout ce dont je peux vous parler de viable. Après, j'ai des envies. J'ai pas mal d'envies en ce moment. Il y a. Ouais, j'ai beaucoup d'envies. Il y a le châle dont je vous avais parlé la dernière fois qui ressemblait à du Bogolan. Celui-là, je compte le faire au mois de janvier. Parce que comme le mois de janvier nous paraît toujours très long, je me dis que ça peut être un bon projet à faire en janvier. Simplement que le patron fait 30 pages, quoi. Donc, il faut que je sois vraiment motivée à faire ce truc. Mais il est vraiment beau. Donc, il faut que je prenne le temps de le faire. Après, si ça finit pas en janvier, ça finit pas en janvier. Ça pourra finir en janvier 2025. Qu'est-ce que j'en sais? Le but, c'est de pouvoir le commencer. Et je regardais un podcast de Knitting Tradition qui a montré un pull qu'elle est en train de faire pour son futur bébé. Et le pull, il était canon. Je suis allée regarder sur Ravelry et j'ai vu qu'il y avait la version adulte. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé que le patron coûtait quand même cher. Je crois que c'était à peu près 10 euros, 11 euros. Je l'ai acheté parce qu'il était vraiment beau. C'est une grosse pièce à tricoter. C'est la première fois que je vais tricoter un truc pareil. Et tout de suite, j'ai acheté la laine, tout, tout. Et au fait, quand j'ai vu le patron, je me suis dit, pardon, à peu près 11 euros pour 4 pages. Et on a tout un diagramme. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Il s'agit du Camélia Sweater de. Comment il s'appelle? Soumine. Soumine, c'est une, je crois, coréenne. Et sur Instagram, vous pouvez la trouver sur le pseudo de Knit pour moi. Donc, il est beau. Je vais vous mettre une photo. Le pull est magnifique. Mais j'ai peur de tricoter parce que je ne sais même pas si je suis à la hauteur de pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. On a quatre paragraphes et après on n'a que des diagrammes. Je me suis dit, mais qui t'a envoyé? Mais qui t'a demandé d'acheter le patron? Je vous montre la laine. En plus, j'ai fait une grosse commande exprès pour ce patron-là. Voilà. Donc mon but. J'ai du mohair un peu partout. Le but, c'est d'avoir en couleur dominante le bleu marine et les fleurs seront en orange rouille comme ça. C'est un peu, c'est pas pétant comme ça. Hein. C'est vraiment rouille avec du blanc et on a des petites feuilles vertes. Et en plus, il y avait une grosse promo sur Kalidou. Donc, le gros pull en jacquard, au final, j'en avais pour 40 balles avec toutes les pelotes que je vous ai montrées là. Mais je vous assure, je suis pas bien. Je suis comme ça. Je ne sais pas si je veux le monter, ce pull. Alors, si parmi vous, des personnes veulent tricoter le Camélia Sweater,
Je suis toute oui. On y va quand vous voulez. Comme ça, on pourra discuter des difficultés ou pas. Ça sera cool. Mais toute seule, je vais le monter. Mais je ne sais pas quand je vais le monter. Parce que je suis vraiment. Je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien. Donc, à cela s'ajoute un autre pull sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il n'est pas encore sorti au moment où je vous parle parce que je crois qu'elle va le sortir au salon Do It Yourself à Paris. C'est le nouveau pull d'Atelier Emily, le pull Majorelle. Et j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour avoir des avis parce que c'est un pull qui demande une couleur bien peps. Et moi, dans tout mon stage qui est là, j'ai pas de quantité pull. Ou alors j'en ai, mais ce sont pas des couleurs peps. Et je rigole parce que j'ai eu à discuter avec Elodie, c'est une abonnée avec qui je m'entends super bien, qui est très sympa et tout. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et elle me disait, mais non, il faut que tu mettes du fuchsia. Donc je lui dis, mais j'aime beaucoup le vert aussi. Elle dit, non, vert, tu l'as fait l'année dernière. Et le jaune, tu l'as fait pareil, t'as fait un top. Donc cette année, c'est fuchsia. Mais j'étais morte de rire. Je me suis dit, je me rendais même pas compte. J'ai dit, oui, mais c'est pas le même vert. Elle dit, si, vert, c'est vert. Donc tu changes, tu fais un fuchsia. Et dans les votes, bah au fait, le fuchsia, il est venu en deuxième position. Et hier, je lui ai dit, t'as vu, le fuchsia, il est en deuxième position. Il dit, si ça se trouve, je vais même pas faire le vert. Ou je vais même pas faire le fuchsia. Mais je sais pas encore. En tout cas, ce pull-là, je vous mets une capture d'écran parce que j'ai pas de photo. Elle a mis en vidéo. Il est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait une petite recherche dans mes patrons que j'avais depuis des années. Je suis retombée sur le Havana sweater. Attendez, j'ai mon PC là, désolé. Comme ça, je pourrais vous dire. Le Havana sweater de Jennifer Stengas, c'est pas ça? Ouais, la preuve que moi je ne sais pas utiliser Ravelry. Hein. Je galère pour trouver un truc. Est-ce que vous allez voir la chose? De toute façon, je vais vous mettre une photo. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu le design. Donc, c'est bien Jennifer Stengas. Que vous allez voir. Voilà, ce pull-là. Et le problème, c'est que je sais pas quelle couleur utiliser. J'ai toujours un problème de couleur au fait. Et moi, je le vois bien avec un. Faut que j'arrête avec le bleu aussi, je me dis souvent. Mais je me dis un moutarde avec les fleurs là qui descendent, soit en blanc, ou alors soit en bleu ou en noir, mais j'ai pas ces coloris là. Et donc j'ai regardé dans mon stage et le peu de quantité laine que j'ai, bah c'est ce il est trop orange avec désolé, j'ai dû mettre une fausse lumière parce que sinon on se voyait pas. Donc à part voir mes dents quand je souris, donc c'était pas l'idéal. Voilà, donc j'ai mis des fausses lumières, ce qui fait que ça sature beaucoup beaucoup beaucoup. C'est un orange, c'est de chez Madeleine et Philibert, c'est le coloris Bruxelles, c'est 100% mérino. Donc je me dis faire une base avec ça, de ce coloris-là, et après les fleurs, soit les faire toujours dans des tons orangés, avec cet écheveau-là. Là, je demande votre avis, hein. Vous me dites si vous êtes pour ou pas, ou s'il faut que j'achète de la laine. Voilà. Donc ça sera plutôt dans ces tons-là. C'est de la Felice I Punto que j'ai eu chez Sip and Knit à Bruxelles. C'était notre lune de miel et j'ai profité pour acheter de la laine comme toujours. Donc c'est soit avec ça ou alors. Et toujours j'ai acheté ça aussi chez Sip and Knit. C'est de la
Arco-Irisian, la base d'Obi et le coloris c'est Sky. Donc je me dis, ou alors avec ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je pars? Parce que c'est quand même. Il y a quand même des speckles dedans, donc peut-être que ça peut être intéressant, tout comme ça. Est-ce que je pars sur cette idée-là, c'est-à-dire celle-là et là, ou alors je pars sur cette idée-là, ou je pars complètement sur autre chose. Mais autre chose, ça serait quoi? J'ai regardé les projets qui ont été faits. Les dames, elles ont des couleurs magnifiques, j'adore, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Je suis un peu compliquée au niveau des couleurs, j'ai l'impression, en ce moment. Et donc, ça, c'est la troisième envie parmi tout ce dont je vous ai parlé. Et Ozeta a sorti, en tout cas, j'ai vu une publication récente d'Ozeta où elle proposait un pull, le 1031 sweater. Je l'ai trouvé magnifique. C'est un très très beau basique qu'on peut faire dans 10 000 couleurs. Tellement que c'est canon. Ah, est-ce que. Non, vous voyez rien. Rien du tout. Voilà. Là, je vais vous mettre une photo. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre une photo. Donc, il se tricote. Il se tricote en aiguille 5 et 6. Donc, c'est parfait. Ça va monter super vite. Et moi, l'idée, c'est de le faire en blanc. De toute façon, c'est non négociable. Ça sera un pull blanc. Et j'ai pas de pull blanc. Donc, ça sera un bon basique et un pull blanc. Si vous êtes intéressé par ce patron-là, il coûte 7,49 € sur Ravelry. Peut-être que sur son site, il coûte moins cher parce qu'avec Ravelry, souvent, il y a des frais à rajouter. Donc, ça fait 4. Oui, c'est ça. Le Camellia Sweater, le Majorelle Pull, le Avena et le 1031 Sweater. Et le dernier pull qui me demande beaucoup de réflexion aussi, c'est le Wellsbury Sweater de Emily Loden qui coûte 11,51 € sur Ravelry. Ça coûte cher, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Je vais vous mettre une photo aussi, mais je vous montre comme ça pour que vous ayez une idée. Ah, vous voyez rien du tout. Mais rien, 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 rien. Il est trop beau. Il y a une démarcation. C'est comme si c'était de l'intarsia. Et apparemment, elle dit que c'est un pull qui peut être fait avec beaucoup de plusieurs couleurs, avec des minis, des écheveaux solitaires, etc. Donc ça donne une bonne idée. Et moi, j'aime bien les tons qu'elle a choisis. C'est un peu pastel, verso, un peu de rose, etc. Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, ce pull-là, il me plaît. Donc c'était, je vous mettrai les photos au fur et à mesure de ce dont je suis en train de vous parler. Donc c'est là, ce sont mes envies pour 2024. Sachant que on n'est pas à l'abri de monter 10 000 projets qui n'ont rien à voir en l'espace de 2 jours, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai passé une journée toute seule à Paris. C'était la première fois que j'allais à Paris seule. Et pour rien, enfin, pour me détendre, parce que à chaque fois que je vais à Paris, c'est pour des démarches administratives. Et là, c'était la première fois que j'allais à Paris pour faire ce que j'avais envie de faire, et toute seule. Et ça m'a fait un bien fou, parce que j'ai perdu l'habitude de faire des choses toute seule. J'ai toujours été bien entourée, j'ai toujours eu beaucoup de copines, beaucoup d'amis, etc. Et à chaque fois, j'osais jamais aller quelque part sans mes copines. Et je commence à. J'en ai discuté justement avec ma copine pour laquelle je tricote l'écharpe et la chaussette, qui m'a dit, il faut que tu réapprennes à faire des choses toute seule. Et parce que de toute façon, et ça j'ai trouvé ça tellement vrai, cette pensée-là, elle a dit, si tu vas quelque part, si tu as envie d'aller quelque part toute seule, tu ne peux pas te faire faux bond à toi-même. Parce que tu vas toute seule. Donc,
tu vas pas dépendre de l'humeur ou de la disponibilité de quelqu'un pour pouvoir te faire plaisir. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé comme ça, au fait, parce qu'à chaque fois, je me dis, non, soit je prends mon chéri, soit je prends des copines, voilà. Mais ça m'a fait un bien fou. Et donc, quand j'ai fini de me couper les cheveux à Paris, ben, j'étais libre, j'avais pas de programme, j'avais pas d'horaire à respecter, je ne devais pas aller chercher les enfants parce que chéri était en repos. Je suis partie à Paris, j'ai kiffé cette journée-là. Ben, je me suis faite un peu avoir parce que je suis tombée sur un marché de Noël. Je suis sortie avec des noix de cajou et des noix de pécan pour 30 balles. Et quand je suis sortie, je me suis dit, mais pourquoi t'as acheté ça pour 30 euros en fait? Est-ce que t'étais obligée d'acheter? Mais bon. La vie parisienne, hein, n'est-ce pas? On adore. Donc, et dans mes balades, bah, je suis passée, comme je vous ai dit, chez Lil Weasel. Et j'avais envie de me faire plaisir. Et j'avais jamais osé acheter de la laine de chez Bien-Aimé. Et bien, ce jour-là, je me suis dit, bah, c'est aujourd'hui. C'est l'occasion que j'avais. Donc, je suis allée chez elle et j'ai pris un seul écheveau, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Un seul écheveau de la Bien-Aimée. C'est alors Merino Super Socks coloris Kitson 75% Super Wash 25% nylon 425 mètres pour 100 grammes. Donc avec ça, je me dis, je veux me faire un bonnet, ça serait top. Je vais me faire un super bonnet, ça peut être top de chez top. Donc j'ai pris ça chez Lil Weasel et on verra bien. J'ai fait un petit repérage de bonnet. Mais pour le moment, je ne veux pas trop me prononcer parce que si jamais je change d'avis, on sait jamais. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. J'ai été raisonnable. Hein? J'ai acheté ça. Et j'ai acheté les deux mohairs de Phil Collana chez Lil Weasel. Après, je me suis baladée, j'ai mangé au resto, c'était trop bien. Et je vais me refaire ça incessamment sous peu, parce que ça fait du bien de ne pas être dans le mood de maman et d'épouse, etc. Et de faire sa vie toute seule. Voilà, c'était trop bien. Donc, il y a un autre achat que je vais vous montrer. La dernière fois, lorsque je parlais des teinturières normandes, j'ai cité le Fil Doré et Garance et compagnie. Et il y a une personne, je me rappelle plus de son nom, je suis désolée, qui m'a dit qu'il y avait également une autre teinturière de laine normande qui s'appelle le Fil de Sidonie. Et ça m'était complètement sorti de la tête parce que je me rappelle qu'elle était au Fil de la Manche. J'ai pas acheté sur son stand parce que j'avais plus rien. Mais je me souviens que je l'avais effectivement vu. Et je suis allée regarder un peu sur son site. Du coup, quand j'ai eu le commentaire, j'ai regardé sur son site. Et je me suis pris un petit kit à chaussettes. Pas pour faire des chaussettes. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être du jacquard. On verra. En tout cas, l'essentiel, comme vous savez, c'est d'acheter en fonction de la couleur. Et après, on réfléchit au projet qu'on va faire. Donc, sur son site. Elle est sur Etsy, je crois. C'est le fil de Sidonie. Mais comme voilà. Oh, il pète, mais il pète. Il pète super fort. Alors que c'est à peu près le même coloris que le cône que vous voyez là. Il est un peu plus clair. Il n'est pas aussi fluo que ça. Mais en tout cas, c'est une magnifique couleur. Moi, c'est cette couleur-là qui m'a attirée. Et le kit, il est à 14 euros. Donc, si jamais ça vous dit, c'est le fil de Sidonie. Et c'était très rapide. Très, très rapide l'envoi. Donc, voilà pour les achats. Raisonnable, non? Depuis le temps que je vous dis que ma raison, elle fuit. Pour une fois, elle était là. Et je n'ai pas acheté beaucoup. Donc, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode-là vous aura plu et que ça n'a pas été trop rapide. J'ai l'impression d'avoir manqué d'explications à certains moments, mais le but, c'est de toujours, c'est de laisser des commentaires si vous voulez des explications,
ou si vous voulez me faire un petit coucou. Moi, j'adore vous lire et mon chéri est le premier. Même moi, souvent, je suis choquée. Il me fait des captures d'écran. Il me dit, est-ce que tu as lu ce commentaire-là? C'est trop mignon et tout. Mais vous voyez, c'est des bons retours et je vous remercie infiniment pour tout ça parce que on se rend pas compte comment ça fait du bien d'avoir toujours des commentaires bienveillants, de la gentillesse alors qu'on se connaît pas et qu'on échange comme si on était copines depuis longtemps et moi j'adore ça. Et ça me motive à revenir un peu plus souvent à chaque fois. Même si je vous avouerai que souvent, j'ai un peu les pétoches. Mais je veux dire, voilà, c'est ton petit monde à toi. Fais ce que tu as envie de faire et puis le reste suivra. Donc en tout cas, je vous remercie pour tout ça, pour toute la positivité que vous m'apportez à chaque fois sur les vidéos. Je vous remercie pour les partages, pour les likes. Je remercie également Chantal et Corinne qui ont parlé de moi dans leur podcast. Moi, je suis toujours comme une enfant quand j'entends mon nom. Je me dis, ah, quoi? Qui? Quoi? C'est toujours gentil et je suis très touchée d'entendre mon nom. Et comme j'ai dit à Chantal, je rate jamais un de ses épisodes. J'apprends toujours quelque chose avec elle et c'est génial. Et je vous retrouve sur ces bonnes paroles. Je vous dis à bientôt. Je vais aller retrouver Chérie pour manger. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à plus tard.